two, Chris. The difference is goaltending. They're getting some goaltending that keeps them engaged. Artem Zoop with a shot. Rebound. Scores. Shane Pinto has his first National Hockey League goal. Oh, what a moment for Pinto. Right on the doorstep. Another great example. You win a draw, get control side to side, get to the front of the net. Some great dreams here on the forecheck. Pinto starts it with getting the retrieval on the dump in, and then on the doorstep, the rebound right there, and there's a moment that he will remember. Again, another great University of North Dakota product, the Hobie Baker finalist, and there is a moment that he'll remember the rest of his life. First NHL point in his debut against the Canadiens. There's the souvenir puck as he scores his first NHL goal against Montreal. You know, he's been the NCHC Player of the Year, Defensive Forward of the Year, Rookie of the Year there now. And ça va être bon. Voilà Zoub qui s'avance. Tire! Allen donne le retour et le but! Shane Pinto, et ce sera son premier but en carrière. Et on vous l'a dit, ce jeune homme-là a joué un excellent match jusqu'à maintenant et vient de récolter son premier but, c'est 1-0. Il a grandi à un peu moins de 5 heures de Montréal, dans l'État de New York. Shane Pinto, il avait expliqué à quel point c'était spécial de disputer son premier match au Centre Bell il y a quelques semaines, et cette fois-ci, encore bien positionné, il profite d'un tir du point d'appui. Allen qui donne un retour parce que Connor Brown passait par là pour l'embêter. Et Pinto va tout simplement déposer dans une cage abandonnée. C'était le tir d'Artem Zoub qui s'était détaché. On file la rondelle au préposé à l'équipement. Pourquoi? Parce que c'est son premier en carrière pour le joueur de centre de 20 ans. Et pas besoin d'avoir vu le visage de Jake Allen, juste sa réaction. Il s'en voulait d'avoir donné cette rondelle. Sauf qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié devant le filet, Marc. Il y a quelqu'un qui l'a oublié devant le filet. Et le fait que Connor Brown s'y présente, doublant l'écran parce qu'il avait un couvert.